Alors, on va monter le volume de nos micros. Donc ça déjà on va fermer. Alors, c'est ici. Oui. Voilà, vous avez un... Ah non, oui, on est encore sur l'écran de pause. Ok, voilà, déjà là ça devrait être mieux. On roule pas sur le câble, c'est très important, on met ça ici. Met le portable de Vincent de l'autre côté, parce qu'il fait chier. Et on Merci. passe sur l'autre écran. Voilà. Voilà, c'est que vas-y, Vincent. Décale-toi un peu. Non, mais par là, vers moi, qu'on te voit un peu plus. Voilà. Bah, c'est nickel. On va faire notre présentation. Ok, 3, 2, 1. Yo, Yo, salut salut tout tout le le monde, monde, c'est c'est Jujunis Jujunis Bros Bros. et on se retrouve pour un nouveau live, la sixième session sur Donkey Kong Country en duo avec Ju Bros et moi-même Vincent Bros. Tout à fait, donc on dit bonsoir notamment à Monsieur Derulo, Jonathan Boss, Gabriel Boom, The Drake également, et pour le moment c'est tout. Alors je ne sais, alors, ça parle beaucoup dans la conversation. C'est mon bébé d'amour, je l'attends que j'aime tant. Ouais, Jesus, Gabriel Boom, 134 abonnés, Cappuccino Ready, ça c'est good. 135, respecte-moi mon cœur. Pas grave, je t'aime. Bon, les bros, faites un jeu auquel on pourrait tous jouer, please. Peut-être vers la fin du live, ok? Pas Ouais, bah l'argent, non, tiens, on c'est pourrait cœur. faire du Me sens pas, j'attends Master of des. the Grid. Ouais, pourquoi pas. Sven Cobb gratos. Bon, bah, on va commencer, en tout cas. Alors, désolé si on... cette fois-ci le live est à 21h. On a eu quelques Problème. petits. Voilà, c'est ça, on va dire ça, des problèmes. Non. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, hein. Si le son n'est pas trop fort. On va aller voir dans les options sound. Non, 20, normalement ça doit être bon. Alors, peut-être, je dis bien que peut-être ce soir on pourra finir Donkey Kong Quoi, Country. ce soir? Et ouais. Mais c'est incroyable! Alors, il y a quelques niveaux où il faudra qu'on refasse Ouais, de les toute façon, il trucs. y a le point Il y a le point d'exclamation. d'exclamation, comme nous avait dit. C'était Perachum, je crois, notamment, lors du dernier live. J'attends des promotions, je pense. Ah, pour s'acheter Arc ou CSGO, ouais. Après, t'as les Humble. C'est pas les Humble Bundle, mais le Instant Gaming. Ah oui. Sur notre site internet, on est partenaire Instant Gaming, donc tu peux aller t'acheter des jeux en promotion bah, en allant sur notre site, en cliquant sur la page Instant Gaming À à savoir que droite. chaque jeu que vous prenez avec Instant Gaming nous rapporte aussi une infime partie, voilà, on va dire. Genre, On était là? quoi? On avait fait tout ça? Oui. On était au vol de Funky. Funky. On avait pris le vol de Funky parce que on avait une sauvegarde qu'on n'avait pas faite. Ah, je disais aussi. Et t'as bien fait F4 pour Ah, load les saves. t'as raison. Voilà, ouais, comme ça on a toutes Voilà, nos c'est vies. mieux. Ah, attends, Alors. on va regarder si on a tout fait là déjà. Ouais, ou. Ah, Ouais. la baraque de Candidance. Bah si. Mais non, mais t'es marrant toi. Je sais. Je trouve ça aussi. Hop, 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 hop. Ouais, on avait tout fait. Non, il y Alors. a la tour. Non, mais c'est Ah. le boss. Ma mère n'aime pas payer sur internet, du coup je me paye des cartes Steam à 20 euros. Ah oui, bah Ah ça je oui. peux comprendre, ouais. Et oui, on était à la cave des chimpanzés, je me disais aussi. Alors là on a fait, là on a fait. Là on n'avait pas tout fait, mais c'était le problème que je savais pas comment balancer le tonneau. Du coup on le Ah refera oui. peut-être. Quand on aura abattu ce boss, on le refera peut-être. Donc on a été à Lumière Lunatique. Alors, on va se mettre sur la bonne Ah oui, astuce. j'avais fait un truc super fort. On était où? Monde 4 Galen, grondement. Monde 5 Grimrock et compagnie, je ne crois pas que ce soit lui. Non, c'est cave des chimpanzés, voilà. Lumière lunatique, il y a deux bonus. C'était au milieu du premier trou. Bon, ça va être facile. Pay safeguard pour ma part, car pas de carte bleue. Ah oui, ouais, aussi Ah. ça c'est pratique également. Sinon elle deviendrait vite rouge avec moi. Oh! Ah Non, je merde! déconne. Oh l'enfoiré. Le Ah l'enfoiré. coup! Oh putain! Merci. Merci pour cette. Merci pour ce faux espoir. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas censé s'éteindre ça? Ah. Ah ok, oui.
Faut pas le laisser s'éteindre. Bon, premier bonus assez simple. Oh putain, ok. Je pensais qu'il allait tourner sur lui-même. Oh, on a raté le cas. Oh l'enfoiré. D'ailleurs, excellent vos gueules. Je vous kiffe les gars de Gabriel Boom. D'ailleurs, bah merci Gabriel Boom, hein, pour vos espoirs de merde. Vos espoirs. Est-ce que vous allez bien, du coup? Est-ce qu'il y aura Professeur Layton? Ah, il me tarde au quelconque coterie de... Eh oui, normalement, ouais, pendant les vacances. Oh l'enfoiré. Oh, putain, oh l'enfoiré. Merde. On va avoir le deuxième. Peu après, le tonneau continue. Ok. Oh, vas-y, je te laisse faire. Si tu veux refaire le bonus, tu peux le faire. C'est là, non? Il me tarde Donkey Kong Country 2, ouais, moi aussi, ça va être marrant. Sinon, ben voilà, comment allez-vous? Je vais bien, et toi? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ben, content on est d'être en vacances, hein, pour la zone B. Ouais, donc j'espère vous aussi que vous êtes en vacances, hein. Ben, je sais qu'il y en a certains dans le chat qui sont en vacances. Putain, comme toi, exactement! Je ne peux pas voir votre live, ça fait que de charger, vraiment désolé, je vous remercie Free pour cette connexion incroyable. Ah, ce n'est pas grave. Bon, tu ne nous entendras sûrement pas, mais en tout cas, merci quand même à toi de... Merci. D'être venu, il y aura la rediff de toute façon, si tu veux voir. Quoi qu'il me semble que j'ai oublié de mettre la rediff de la semaine dernière. Du coup, je mettrai les deux en même temps. Je crois qu'on réapparaît pas à un endroit. Eh oui, je suis un peu... Ah, con. Medka... Bonsoir Medkaio, moi aussi je suis en vacances, ça c'est cool. Oh, putain. Bah tant mieux, du coup bah 2 semaines de vacances, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors n'oubliez pas, hein, que bah, la semaine prochaine, vendredi prochain, normalement il y a un live, hein, à moins qu'il y ait un imprévu. Et bah, dimanche... Et dimanche 14 juillet... Oula. Il s'est passé quoi? Non, la lumière s'est éteinte. Oh putain! Et dimanche 14 février, il y aura un live spécial Saint-Valentin où on jouera un jeu de. Oh! Ça y est, j'ai eu! Je suis trop fort! On jouera un jeu de drague, donc je compte sur votre présence pour m'aider à. Pour nous aider à pécho. À t'aider? D'ailleurs, 19 jours sacro pour ma part. Ah, c'est good ça! Tiens, vas-y, bonne chance! Oh putain, vas-y! On va prendre son temps. Ah! Après le tonneau continue. Ok, là il y a un tonneau. Enfin, il y avait un tonneau, un ressort quoi. Un pneu. Ouais, un pneu. Ça, les lumières sont bien timées. Hein. Je crois pas qu'elles soient toutes au même temps. Parce que vous voyez, il y a certaines lumières qui restent allumées beaucoup plus longtemps que d'autres. Et c'est vraiment bien fait parce que quand la lumière s'éteint. On s'en fout des pièces. Ok, quand la lumière s'éteint, on voit vraiment plus rien. Ok. Ouais. Donc là, on sait que c'est là. Voilà. Je crois qu'il y a... Il y a un pneu. Ah là, oh fais gaffe. Tu me fais peur. Ouh. Putain. Il y avait un trou en plus. Ouais. Ouais. Ok, donc juste après le tonneau continue, vous croiserez un Eki. Tu vois ce que c'est un Eki? Ouais, ouais. Que vous jetez des pierres depuis un tonneau on-off, éliminez-le, puis prenez le tonneau et partez exposer le premier que vous trouverez sur la droite. Soyez rapide car un claptrap arrive juste au-dessus. D'accord. Ok, moi je connais pas le nom des ennemis, mais bon. Les Neki, c'est les oui, oiseaux. Oui, je sais, les Neki, c'est les volatiles. Ça ouais, c'est ça, bah, c'est les oiseaux. Oui. D'ailleurs, il y a deux boss, hein, Master Neki Junior et Master Neki Senior, je crois. Oh putain, attendez. D'ailleurs, 19 jours de sacro papa, 21, c'était le record. C'était ah bah ça va alors. Il y a de fortes chances que ça dépasse le record. Ça, c'est cool. En tout cas, cappuccino power pour ma part. Je devrais peut-être en prendre du cappuccino parce que je suis pas très très réveillé. Ah! Ah non, c'était ce tonneau qu'il fallait que je garde. Ah putain. Il fallait où aller? Bah, sur la droite. De droite. On va peut-être voir, il y en a peut-être un autre. Non, c'est foutu. Ah, c'est là qu'il fallait le péter. Ok, vas-y, regarde si je trouve pas un tonneau. Oh, bien joué. Oh, suicide-toi au pire. Ouais, tu sais, Julien, moi je suis un programmeur. Voir comment moi ça se passe. Ouais non, laisse tomber, vas-y, suicide. Je veux moi voir comment ça. Ah oui si tu veux, ouais. C'est la fin pour voir s'il y a pas de. Ah bien joué. Moins, oh putain, il y a des abeilles. Moi on saura ici qu'il y aura des abeilles. Tu vois? Enfin cappuccino, ouais, du café quoi, un truc qui permettrait de me réveiller un peu parce que là je suis pas très réveillé. Là. Cette dernière semaine, j'ai pas été très très réveillé. Et bon, les vacances vont faire du bien, je dis.
Neta, Corinne, l'horloge de l'Umbra et des costumes pour les Mii sont dispo depuis hier, ouais, sur Smash Bros. D'ailleurs, je crois que c'était les. Et c'était le dernier contenu. Contenu additionnel pour Smash Bros. C'est triste, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux là qui. Qui mériteraient leur place. Non, mais il y a beaucoup de jeux qui. Auxquels on assiste à leur dernier contenu téléchargeable, entre guillemets. Bon, pour Smash Bros, c'était le dernier contenu téléchargeable. Mais je suis pas dans la merde là. Mais pour bah, pose-le. Ouais, attends. Tu fais mais pour et... mais pour Splatoon, ils ont dit qu'il allait plus avoir de oh l'enfoiré, vas-y. Ah, ça servait. Oh, oh, bien joué. Fais gaffe, fais gaffe. Il y a un trou. C'est bon. Fais gaffe. Le clap trap. Non, ah, pose le tonneau. Quoi, okay. Oh putain. Oh l'enfoiré, vas-y. Ce mur. Bien joué. C'est bon. Ok, ça. Alors, je reste sur le live juste quelques minutes. Donc, si tu veux me dire quelque chose, dis-le moi quand je reviens. D'accord. Très bien, très bien. Oula, fais gaffe. Et ne meurs pas maintenant. Très bien, très bien. Oh, bien joué. Bon, de toute façon, avant, c'est avoir sauvegardé les. Ouais. Les trucs. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on le finisse en. En une heure, il y a moyen qu'on se finisse le. Deux, trois petites heures, tu vois. Non, pas en deux. Là, je pense à mon avis, il reste quoi, deux niveaux avant le boss final. Deux niveaux. Enfin non, il reste deux niveaux dans ce monde. Ah, c'est vrai quand même, il en reste plus beaucoup. Hein. Je vois la barre là, il en reste plus beaucoup. Ah, The Drake est revenu. Attends, il y a Metka qui a mis un message. Il va y avoir un truc prochainement dans Splatoon. Alors, je crois, je sais qu'il y a ce qu'ils appellent là les festivals. Ouais, les festivals. Festival de Cannes. Ça se dit les festivals. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré, il me l'a eu. Allez. Ouais. Non mais ça servait à rien, de toute façon on a eu le truc. Je sais qu'il va y avoir un festival sur Splatoon là comme ils font de temps en temps là. Il faut vous choisissez une team et après vous battez pour cette pour faire gagner votre team quoi. Et les thèmes c'est toujours des trucs un peu genre le libre enfin. Pour liberté. Un exemple, ça serait genre libération. Non, libéral. Le libéralisme contre le capitalisme. Le capitalisme. C'est voilà. Sérieux. Enfin, ça serait un peu des trucs comme ça, tu vois. Mais après voilà, festivaux. Non, ouais, on dit des festivaux hein, ou des festivals. Des festivaux. T'es sûr? Oui. Parce qu'on dit bien un bal. Mais on dit pas des beaux, on dit des balles. Oui, parfait. Des festivals. C'est la même chose, non? Ah, Deadpool. Quelqu'un parle de Deadpool, c'est pas mal. Le trailer avait l'air assez sympa. Ça a l'air assez marrant. Moi, Deadpool, ça me fait penser à. Le style du film fait penser à un style un peu à la Ant-Man. Oui. Le héros qui en a un peu rien à foutre. Alors, vous allez dire, le héros qui en a un peu rien à foutre, ça fait aussi penser à Iron Man. Mais non, parce qu'Iron Man, c'est. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un de méga connu, tout ça. Il dirige des entreprises, tout ça, donc il a un minimum connu. Et même s'il fait genre, il s'en bat les couilles, il s'en bat pas totalement les couilles quand même. Hein, moi, je pense que c'est plus le super-héros qui se prend pas trop au sérieux en fait. Ouais, voilà, parce que un peu comme Ant-Man quoi. Bah, parce que dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, fais gaffe, il y a un trou là. Oh putain, Vincent! Oh putain, Vincent! Parce que dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, bah, au final, il crée Ultron parce qu'il a peur que ce qui s'était passé dans Avengers 1 se reproduise, donc il a une certaine conscience, tandis que dans Ant-Man et dans Deadpool, j'ai l'impression que les deux mecs s'en battent les couilles, tu vois, totalement ils y vont à la rigolade quoi, bah, vous voyez, et c'est ça que je trouve sympa, donc c'est pour ça que je dis ça me fait penser à un film un peu à la Ant-Man, même si le sujet sera sûrement totalement différent. Bah en fait le problème c'est qu'il doit subir, d'après ce qu'il est montré dans le trailer, donc je spoil pas du tout. En fait, il est atteint d'un sort de cancer, je crois, d'un cancer. Et en fait, bah du coup, il y a des mecs qui lui demandent d'être sujet pour un test qui pourront le guérir. D'accord. Et qui aussi le rend totalement bizarre, imbaisable comme il dit. Bah après, ah putain, Vincent. Je vois plus rien. Après, je connais pas vraiment Deadpool dans les comics. Ah bah en fait Deadpool dans les comics pour moi ça a été un peu comme le Punisher. Tu vois qui c'est le Punisher? Ouais. Alors attends, on va lire un peu les messages là parce que on a plein. On dit des festivals, voilà. Ah merde. Ah bah attends putain, il y avait des messages qu'on a pas lu. Dis donc, on est un peu à la traîne là, Vincent. Ah
Hello tous, j'aime bien comment Vincent s'est chopé la veille. Yo next, next to next, on dit des festivals sera autre chose que des festivals. Ah d'accord, ok. Deadpool, anti-héros, Iron Man, super-héros et peut-être au bout d'un moment semi-vilain, voilà. Ok, bon, on voit le connaisseur, de toute façon Gabriel Ouais, Boom, c'est c'est la... un peu comme le Punisher, quoi. Gabriel Boom, c'est la référence dans tout ce qui est Marvel. Ouais. C'est le Comics BD. Après, il y a Tristan également C'est le qui fait vendeur de... de BD de Jujuns Bros. D'ailleurs, on fait un... On passe un Un gros coucou coucou à Simpson. On passe un coucou à Tristan. Ah Si un merde. jour il regarde le live comme ça, ou si Gabriel lui en parle, pour lui dire qu'il a eu une dédicace, entre guillemets. Hein. Festivité, festounette, D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai festness, battu des nofix. boss, Ah, pas mal le le jeu de boss mots. final de Splatoon de Metka. Ah, bien joué. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le boss final, c'est du coup, t'as fait le mode histoire, je présume. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de ce mode histoire pour, enfin, de la campagne pour ce FPS? Enfin, pas ce FPS, mais ce TPS, Third Oui. Person Shooter. Fais gaffe, Vincent. Là, il y a un trou, tu fonces, hein. Ouais. Fais gaffe! Oh putain! Fais gaffe! Je vais me cacher Il là. est. Non, mais non, Vincent, il va t'avoir! Putain! Putain, mais t'es nul, pourquoi tu te Mais caches? je savais pas, je pensais Mais que je te ça. dis, il va t'avoir, tu restes là! Mais oui, mais ensuite je pars. Mais c'était trop tard parce que moi je connais pas la technique pour faire des roulades infinies. Je pourrais pas trop parler, ça fait que charger. Bah, ce n'est pas grave. Mais merci quand même à toi de. Bah, d'être venu. Je sais pas, essaye sur ton portable si vraiment il n'y a pas de. Ça marche pas du tout. Je sais pas, faut voir. Oui, c'est voilà. Il y Alors, a un ok. dans son dans sa philosophie, il y a un peu de philosophie Punisher, on va dire. C'est ce que dit Gabriel Boom? Non, c'est ce que je dis moi, parce qu'il dit Bah, exactement, Deadpool est un peu comme le Punisher parce que ce n'est pas voilà, non plus les c'est mêmes ça. personnes. Bon, voilà, c'est ce qu'il dit. Yo la Trouba, bonsoir Nexus 13, disons que ça faisait Salut. longtemps. Ça faisait longtemps. Ok, là je suis bien dans la merde. Tu sautes. Ouais, ça va. Il y a un Oh, trou. mais l'enfoiré, il m'énerve les claptraps là. Plus maintenant, ils sont devenus. Oh, oh putain, ils sont devenus beaucoup plus radins en tonneau DK là. Parce qu'avant, on avait genre deux tonneaux, enfin trois tonneaux avant le checkpoint, trois tonneaux après le checkpoint. Là maintenant, on a un tonneau au début du niveau et un tonneau après le checkpoint et tu te démerdes avec ça quoi. Ouh là, fais gaffe, fais gaffe. Ouh, bien joué. Là, tu sautes, hein. Direct, tout droit. Fais gaffe, fais gaffe. Oh Ah, oh, Vincent! putain! C'est pas possible. Mais c'est... Tu te rends compte que ça va être le passage le plus facile du niveau et tu Oh prends tous les putain! trucs? Mais oui, mais c'est parce qu'il y avait la nuit, j'étais totalement déstabilisé. Putain, tu mémorises, t'arrives pas à mémoriser Mais hein, si, mais les c'est juste que emplacements. je suis parti trop tôt en arrière. Alors attends, qu'est-ce que nous dit des rouleaux? Meilleure façon de regarder le live, c'est de regarder avec VLC. Après, oui, faut qu'il sache comment regarder. Oh, mais putain, mais le corbeau quoi! Il faut qu'il sache aussi comment Toi, regarder tu avec sais pas bien VLC quoi. mémoriser l'emplacement du corbeau. Vous avez vu la bande-annonce du film Deadpool? Ah, mais ils parlent entre eux. Il y a 5 formes au lieu de 3. Il n'est pas évident à battre, surtout vers fin. Ah, c'est bien ça, bah dis donc. Putain, 5 Oh. phases dans un boss final, c'est pas mal hein. Oh, je comprends plus rien. Là, je voyais plus rien, je On veux va dire. peut-être pas réussir à. Bah oui, il y avait le switch, Vincent. Mais Et oui, tu mais te bases j'avais. avec la position des ennemis. Tu sais que c'est un ennemi, c'est qu'il y a du sol. Mais oui, mais C'est c'est pas des grave, Vincent, abeilles, c'est pas. Mais oui, mais elles c'est les volent. abeilles. Tu te souviens bien que, à chaque fois que tu mourais à la fin, tu te souvenais que les abeilles, elles étaient pas au-dessus du vide. Non. Bon, bah c'est que tu te souviens pas, tant pis, voilà. On va avoir une vie, voilà. Une vie qui ne sert strictement à rien du tout. Dero, il dit, Vincent, il est comme moi, j'ai aussi des petits problèmes de mémoire. Après, ça arrive à tout le monde. Oui. C'est pas très grave, surtout là, on va dire le. Diabloman Burger. Oh! Est Oh arrivé. là là, mais. Bonsoir, Diabloman Burger! Mais dis donc, lui aussi, ça fait longtemps. Comment allez-vous, du coup, ben, ceux qui viennent d'arriver, hein, Nexus One 13, Diabloman Burger, Nexet, tout ça. On va rester là. Vie, ça m'a bien l'air déjanté. Ah, pour le film. J'aime bien l'acteur, je l'ai trouvé excellent dans Voices. Tout pareil, ah bah dis donc. Je crois L'acteur que. de. De Deadpool. Ah, c'est le même que dans. Voices, comme vient de le dire Nexus Non, 13. que dans. X-Men Wolverine Origins. D'accord. Oh. Ah bon? Qui joue aussi Deadpool.
Mais tu Deadpool, sais... à un moment, on le voit sans son masque ou pas? Parce que dans la bande-annonce, on le voit tout le temps avec son masque. Bah oui, mais... Oui, on le voit. Ah bah c'est cool. On le voit sans son masque, mais bon, il a un peu le visage défiguré. Putain, là par contre, là, je suis pas dans la merde. Ah, trop. Oh putain. Tu y vas, hein, puis on va revenir en arrière, plus prudent. Tu vois, il y a le panneau. Bah, tu sais, c'est... Ah là 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 là, je suis doué. Je suis doué, putain, j'aurais dû foncer. Tu sais, c'était le Deadpool avec une peau un peu arrachée, quoi. Tu sais, celui avec une moitié de vêtements et qui reçoit tous les pouvoirs des X-Men. D'accord. Oh putain, X-Men, ça fait longtemps. X-Men Origins. Wolverine's Origins. Donc ça fait encore plus longtemps. Oh mais putain, non, on va s'en détouer aussi. Je crois que Gabriel Bois a trouvé son nouveau coup de cœur. Hein. Il est chiant ce niveau là avec les lumières. Et yo tout le monde. Et comment allez-vous du coup? Content d'être en vacances? Putain. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 toi aussi là. On s'est fait avoir. Là on se concentre plus Vincent, tu te rends compte qu'en 24 minutes on a même pas fait un niveau là. Mais je t'autorise pas à dire ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais je t'autorise pas à dire ça. On fait décontracter Julien, on n'essaye pas de donner le meilleur skill au vent. Ça serait bien qu'on puisse le finir ce soir. On essaye de rigoler avec le public, voilà. Oui mais là c'est pas drôle, passer 24 minutes sur un niveau comme ça. Bah c'est parce qu'on est des merdes et puis voilà, c'est pas moi, c'est toi et c'est moi. Bah tu peux arrêter de prendre ta voix aiguë s'il te plaît. Mais ça donne mal à la tête. C'est la voix que je prends quand j'essaie de dire que... Ouais, voilà, surtout quand tu veux faire le petit rigolo, hein. Non. Hein, dis-le, hein. Non. C'est ça que tu fais devant tes copains de classe, hein. Bah non. Hein non. Bah oui, non, c'est ma voix, mais quand... oui, c'est clair. C'est ma voix quand... Comment dire, je fais une réponse, voilà. Quoi. Vincent, tu peux lire le commentaire de Gabriel Boom, s'il te plaît. Nexus 13, yo, yo. Voilà, Vincent, t'es d'une utilité, franchement. Alors, Julien, j'ai entendu mon prénom, mais je suis un tutoriel anglais. Je suis un tutoriel anglais en même temps, du coup. Je suis pas dans le sens il est, hein, Vincent, oui. Mais dans le sens qu'il est en train de oui, suivre un tutoriel. Sais. Du coup, j'ai compris, j'ai pas compris ce que tu as dit. Oh, le panneau existe. À moi. J'ai tout fait. Ah, non, mais en fait, je disais juste que t'avais trouvé un nouveau coup de cœur avec. Comment dire. Avec Gabriel. Enfin, avec Next One 13 qui. Avec qui vous avez les mêmes goûts. 94, putain. Attends, il y avait eu le point d'escalation. Oui. Ouais, c'est bon. 22 à 15, Vincent. T'es toujours sur Arc Jonath. Je pense que oui. Ah, attends. Julien, tu joues à quoi en ce moment? Attends, j'ai rien désactivé là parce que j'ai cliqué par là. Non, j'ai rien désactivé. Deux bonus. Monter sur la première plateforme mobile et sauter sur place. Elle devrait partir. Vous devriez atterrir sur une autre plateforme mobile qui vous emmènera vers le tonneau bonus sous le départ. Ok, très bien. Okay. C'est pour ça qu'on voit un tonneau bonus en bas. Julien, tu joues à quoi en ce moment? Alors moi, bah, je... Très bien, vas-y, réponds Vincent, pour moi c'est pas très pertinent. Alors, Julien, il joue donc du coup... Non, réponds, toi, qu'est-ce que tu joues en ce moment? Dragon Ball Xenoverse, j'essaie de m'entraîner avec Beerus. Ah. Tiens, je vais faire. D'apprendre à jouer avec Beerus plutôt. Et sinon, moi, bah, faut dire que. Oh putain! Oh putain! Faut dire que moi, ces temps-ci, bah, je joue pas beaucoup. Hein. Ça fait longtemps que. Enfin, à part pour les lives le vendredi soir. Ça fait longtemps que... Merci. Au moins, putain, le tonneau! Ça fait longtemps que j'ai pas joué à vraiment quelque chose, à part pour les lives, quoi. Donc voilà. Et vous, si on voit, vous jouez à quoi, tiens, ces temps-ci? Dis donc, vous jouez à quoi? Vers la fin, restez sur l'ultime plateforme qui s'écroule, au dernier moment, sautez vers la droite, à gauche, à droite, pour arriver sur une passerelle avec le dernier tonneau bonus à la droite. Ok, bon, c'est à la fin, quoi. Ce niveau est chaud à finir. On va voir. Sur quelle plateforme, Vincent? Sur PC. Je suis un grand joueur PC. Exactement, Julien, mais voilà. Entre Jonathan et Gabriel Boom, ça c'est fini, ça n'aura pas duré très longtemps. Non, je rigole, hein, je rigole. D'ailleurs, je crois pas. Si, je crois qu'il y est. Ce niveau est chaud à finir. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Et si, bah, déjà, s'il y a un checkpoint, ça peut aller, on va dire. Et s'il n'y a pas de checkpoint, oui, il risque d'être chaud à finir, ouais. Joue avec des bonnes musiques en plus. Non. Oh mais quoi, j'étais dessus là. C'est ça, t'es
il t'avait bien roulé dessus. Nexus, tu veux rejoindre ma tribe? La flemme de tout refaire. Okay. Ah, doué toi. Ah oui, c'est vrai, mais on peut pas le tuer. Je peux pas, je suis obligé de... Bon, ne reprends pas le tuer, le tonneau en bas. Ah, Vincent. Je le fais quand même. American Truck Simulators 7 Coop Mode Half-Life. American Truck Simulator, mais donc j'avais pas que tu jouais à ce genre de jeu, tiens. Ah bah c'est cool. American Truck Simulator, c'est quoi? C'est la simulation de camion américain, non? Oui. Truck. À moins que ça soit Monster Truck là avec. Avec les carambolages de. Oh, bien joué. Avec les carambolages de voiture. Et fort. Ouais, 7 Coop, c'est le mode coop là sur Half-Life et après les modes. Ah oui, j'ai enfin 12 gigs. Oh là 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 là. C'était beau ça, putain. Oh putain. J'ai enfin 12 gigas de RAM et j'étais à 5 tours nickel même en stream. Ah, c'est génial cool, ça. Je pourrais faire les parties avec toi. C'est génial. On pourra faire des parties. Oh, ah non, lui il est invincible avec son truc de catcheur mexicain là. Il est invincible. Vincent, oui. Peux-tu lire? Attends, on a déjà un bout de cœur métal 5 tourelles auto. À 5 tourelles auto. J'ai quelque chose à te dire, c'est dur à dire. Et deux Rex, dont un 110. Oh putain, un Rex me souvient. Mais je vais essayer de porter mon. Oh putain! Qu'est-ce qu'il raconte? Mais je vais essayer de porter mon courage à deux mains. Je sens que tu t'éloignes de moi. Oh putain, de plus en plus. Que ce n'est plus pareil qu'au début. Ah putain, Gabriel Bou nous fait sa révélation. Yep, comme Euro Truck Simulator 2. Ah ok. Merci des rouleaux. Je suis encore repourat. Pourquoi tu viens-tu comme ça avec moi? Lol, je t'aime mais je souffre, je dois partir, je l'attends, ne pleure pas. T'es encore pété, Gab, c'est ça. Depuis que je peux voler, je découvre l'île, c'est superbe. Ah oui, sur le pteranodon. Ça c'est pratique. Oh l'enfoiré, putain. Attends, par contre, on sait. Oh. Oh putain Vincent, oh putain. Qu'est-ce que je lui ai fait? Vincent, mais qu'est-ce que tu fais? Sors-te lui dessus. Mais je sais pas, mais je devais l'attaquer, je pouvais l'attaquer. Mais oui, là tu peux l'attaquer quand il s'essouffle. Ah d'accord, je sais pas. Je sais, ça fait mal. Je te quitte. Oh putain, Gabriel Boom. Allez, oui, oui. Par contre, mon skill est égal ou très près du chiffre 0 sur GTA 5, je suis pas très doué. Ah bah c'est cool, on aura à peu près le même niveau. Voilà, Vincent t'apprendra tes rouleaux. T'apprendra à être au niveau moins 1. Ouais, Nexus, franchement, ce jeu est énormément bien fait. Ouais, le truc, c'est qu'il a des problèmes d'optimisation, ça c'est chiant. De quoi, je disais à 5? Non, Arc. Arc, ouais. Oh putain Vincent! Il m'a pris par derrière! Mais ouais, mais souviens-toi qu'ils font des demi-tours! Mais oui, mais c'était sorti de l'écran. Pour moi, quand quelque chose sort de l'écran, il se bat! Nexus, ouais, mais sauf que ça, c'est pas comme tous tes jeux mal faits. Oh là 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 là! C'est juste que c'est. Oh. Je découvre le monde marin avec le plaisir, nous dit Nexus One 13. Nexus One 13 redécouvre le sens de la vie avec Arc. Non! Je vais me faire niquer, oui, putain, voilà! C'est vrai, il y a eu la putain de grosse révélation. Julien, je te laisse faire. J'attends, sache que je t'aimais autant que Golgotha aime Sparadra. Aussi bien dans la vraie vie que dans la web série. D'accord, sauf que j'ai pas compris ce que c'était la grosse révélation, mais c'est pas. Oh, bah, c'est que Sparadra, Golgotha aime Sparadra, ça on le savait pas du tout. D'accord. Ça a été une putain de grosse révélation, j'ai même moi été surpris quand j'ai vu ça. Et en plus, le pire c'est qu'elle a dit son nom sans écorcher, son pseudo sans écorcher. D'accord. Ça a été un gros. Oh putain. On va mourir, Vincent. Ça va? Prends ton temps. Oui, ça va. N'essaye pas de speedrunner. Putain. Ah putain, le check. Non. Oh là 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 là, mais quel con putain. Mais merci. Non mais de rien, mais franchement. Vous avez un crew sur GTA 5? Oui, d'ailleurs, il y avait une vidéo, oui. Non oui. On a une vidéo sur la chaîne YouTube ou sur le site, le crew des Juju Vince Bros. Juju Vince Bros crew. Juju Vince Bros crew, voilà. C'est moi qui l'ai trouvé, ce nom. 20 minutes, c'est classe, non? On se fera une petite soirée, Vincent. Non! Je crois que tu as charisme mode aussi, moi je l'ai. Oui. Bah ça c'est cool. Mais c'est Jonathan Boss aussi qui a charisme mode, qui insiste, enfin qui pousse, qui essaie de pousser un mec de la classe à prendre Garry's Mod, je crois. et que le mec en question disait non, c'est nul. Ou l'inverse. Mais je sais que c'était entre Jonathan Boss et quelqu'un d'autre. Et une personne de la classe.
Ce niveau est dur selon des rouleaux. Enfin, il est dur à finir. On va voir. C'était ça la dernière plateforme? Non, c'était pas ça. Du tout, je crois que... Ouais, non, c'était pas la dernière. Pas du tout, c'est Ridge Racer. T'as compris la référence? Quoi? Pas du tout, c'est Ridge Racer. Ah, ah je prends Wolverine. Mais non, tu peux pas, c'est Ridge Racer. Ah bah, je prends. Non, mais faut que tu regardes un Merci d'Orion. Ah oui, j'ai dû le voir, mais je ne me souviens pas. À la fin, il y avait Jules, tu sais, il fait. Eh, mais je connais ça, c'est de Marvel vs Capcom. Pas du tout, c'est Ridge Racer. Ah bah, je prends Wolverine. Oh l'enfoiré! Oh! Voilà, je suis foutu. Nickel. Attends, je crois qu'il y avait une abeille. Je saute sur l'abeille. Puis, oh, putain, quand on se passe la main, tu ressautes et tu vas à droite. Oh putain! Ah! Oh ça. On aurait réussi, ça aurait été tellement beau, mais c'était impossible. Ouais. Comme juste c'est l'inverse et c'est avec Joël. Ouais, voilà, mais je voulais pas dire le nom de la personne. Nexus le Plesio. D'ailleurs, bonsoir Joël, hein, si tu me regardes, on sait jamais. Nexus le Plesio, c'est rien, on avait le Mosa et le Poisson Lanterne avant de se faire raid. Ça, c'est con, putain, l'histoire de se faire raid. C'est aussi un peu le but de ce jeu, mais franchement, j'aime pas là quand tu peux. Quand tu peux tout griffe aussi facilement. Je veux dire, tout ton travail que t'as pu mettre des mois, il suffit qu'il y a un mec qui veut faire un minimum chier, il passe et il te détruit tout ce que t'as fait, l'enfoiré, saute. Ah, tant pis. Ça, ouais, ça, oh, ça ferait bien chier, par contre. J'ai fait un live hier sur America Truck Simulator, la merde que j'ai fait. Ah bon, c'était aussi pourri que ça. Ah, quand même pas. Oh non, ça va, c'est un jeu de simulation, c'est bien. Oh, Vincent, je me souviens que Vincent, il avait pris... C'était pris bus and cable car simulator après avoir vu la vidéo du joueur du grenier là, et sur le trailer aussi sur les simulations avec les trailers épiques là. Mais c'était classe ce trailer, je veux dire. T'avais trop envie d'y jouer, sérieusement. Mais le problème, c'est que c'était de la merde en vrai. De toute façon, je crois qu'il a jamais réussi comment allumer le camion en fait. Non, j'ai jamais compris. Il a dû jouer 3 minutes dans sa vie. C'était un clavier anglais, mais ça à l'époque, je savais pas. Tu regarderas, j'ai que fait de la merde. Ah, ouh, j'ai peur. T'as grillé les feux, c'est ça. Oh. C'est pas bien. Anecdote, vous savez qu'il n'y a qu'un seul panneau stop dans tout Paris. Ah bon? Oui. Je te promets. N'importe quoi là. Je te le promets. Ça. Ouf. Ça a été prouvé scientifiquement. Selon une étude. Ah! Il n'y a pas de, il n'y a qu'un seul panneau. C'est n'importe quoi ces plateformes. Putain, elles vont dans tous les sens. Vas-y, crève. Tout est important dans ce level. Tout a été pensé et calculé. Non, c'était pas là qu'il fallait l'utiliser. On est foutu. À tous les coups, c'était là qu'il fallait descendre. On est foutu. Ah, si, on est pas foutu. Regarde. Et on va tout à droite. Ah. Oh. Allez. Allez. Ça, je te laisse faire, par contre. Ok. Regarde même pas. Tu vas voir. Genre je disais, waouh, ouais, c'est de l'arnaque, c'est bugué ça, oh putain, pourquoi il s'endort le con et non... Celui-là. Et les noms de taille que j'ai utilisé. Ça doit être marrant à voir. T'sais, d'ailleurs, on est combien là sur le live pour la petite info? Juste. Allez, c'est à moi de terminer. Non. Putain, t'as rien foutu. Oh, je me fais tellement avoir. Et du coup, on va faire. Vas-y, va faire la sauvegarde de Cranky. Enfin, de Candy. Du coup, on va faire le dernier boss du jeu avant le boss final, les amis. Mais avant de faire le boss final, on va avoir tous les endroits. Tous les niveaux. On a passé quand même 4h54. Ouais. J'avoue. Pas mal, hein, quand même. J'aime bien le mec. On a quand même passé 4h54. Non mais bon, 454, on avait les Solus. Vous imaginez ceux qui avaient pas les Solus? Alors attends, on va faire le boss de ce monde. Non, je voulais pas. Non, on va faire le boss de ce monde. Et avant de faire le boss final, on refera tous les niveaux. Avant. Tous? Bah non, on va pas tous les refaire, mais on va voir tous les niveaux en gros. Ah voilà, Master Neki Senior, celui qu'on parlait tout à l'heure. Ils ont juste changé la couleur et c'est un nouveau boss. Oh putain, c'est Sub-Zero. Scorpion Sub-Zero. Voilà, c'est ça. Voilà. Oh, oh, t'es mort exactement de la même manière que moi. Oui, il risque d'être un peu chaud le boss, je pense.
Là, je peux le faire seul, je le sens. Bonne chance. Ah, oh. Oh, merde. Fais gaffe, oh, oh là là, voilà, Vincent pouvait le faire seul, mais évidemment. Vous voyez ce que je peux accomplir tout seul, c'est quand même grand, hein. Ah oh, putain, il en envoie deux. Ok, bon, puis il envoie, puis il envoie. Là, je pense que je peux le faire seul. Tu regarderas, je prévois quand même de l'acheter sur Steam quand il y aura des DLC prochainement pour avoir de plus en plus d'états américains. Il y a que la Californie et le Nevada. Je suis allé sonner dans Nevada. Okay. Quoi? Qu'est-ce que je suis parti aller faire, moi? Ah! Pourquoi je suis... Ah! Il m'a bouffé le nez. Pourquoi je suis parti... Je suis allé sonner... Nevada. Je suis allé sonner en Arizona, en Californie, à Califourchon. Dans quel état je t'ai mis dans tous ces états? Des états aux États-Unis, il y en a des états. Il y en a des tas, il y en a des tas, Dans quel état tu t'es mis dans tous ces états? Des états aux États-Unis, il y en a des tas, Ah l'enculé, il a ralenti le rythme. Parce que putain, je le sentais bon. Bon les mecs, je vais prendre ma douche plus. A plus. A plus, Jonathan Boss. Peut-être à tout à l'heure, peut-être. À jamais. Peut-être à bientôt, sinon bonnes vacances également. Oui. J'étais allé à Las Vegas hier dans le live, j'étais mort de rire. Los Angeles. C'est pourri face à X. Enfin, je sais pas, tu voulais peut-être dire soit Los Angeles, oh. Putain, soit je Las Vegas, coup, je sais pas. Mais il y a que trois rues, ouais, ça fait un peu pitié. Oh l'enfoiré! Putain, il t'envoie des trucs projectiles aléatoires, ouais. Enfin, moitié aléatoire. Ouais. Semi-aléatoire. Tu m'étonnes, ouais, 3 rues, ça doit changer de GTA. Tu dois attendre qu'il envoie ses genre toutes les noix. Ah, toutes? Je crois. C'est très long. Oh putain. C'est très long, toutes. Ah, l'enculé. Ah, mais non, mais non. Ah, 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 mais non. Par contre, on va en chier pour King Karol, Vincent. T'es au courant qu'on va en chier? Oui. C'est le mec sur le bateau. Quoi? Oh, mais non. Oh là là, t'es doué, Vincent. C'est le mec sur le bateau pirate? Bah oui, c'est le boss final. Ok. Comme je spoil le background du dernier boss. Allez, bon, hop. Ce sera dans un bateau. Là, je vais me faire avoir. Mais non, mais il est trop aussi. T'as croqué, là. Pauvre. J'ai envie de voir si quand même un moment on va descendre en dessous des 99. Ah putain. T'imagines, c'est-à-dire qu'on aurait perdu un nombre astronomique de vie. Non, faut attendre qu'il ait lancé toutes ses noix. Putain. C'est-à-dire que t'attends qu'il ait lancé ses 3 noix. Oh, bien joué. Oh non, dommage, ça c'est pas cool par contre. Non, c'est Sidebox qui est bugué. Toi tu dis que c'est un jeu bien. Oh mais non, mais... Oh lolololololol. T'as 4 mètres au-dessus de lui, comme ça les noix elles vont tomber sur sa tête. Ouais non, mais tais-toi en fait. Le mec il est trop impatient. Impatient, c'est mauvais. Putain, je l'avais pas touché encore une fois. C'est mieux comme ça. Tu regarderas les gros accidents que je faisais aussi, je faisais partout. Et je me suis retourné ensuite, je suis allé sur Euro Truck Simulator 2, je me suis retourné, j'avais été dans les étoiles. Oh putain. C'est vraiment ça, c'est les Euro Truck. C'est les simulateurs allemands après, c'est pas non plus très très bien codé. Et c'est pour ça qu'on les aime, on va dire. Mais putain. Bon sinon, que comptez-vous faire au cas de vos vacances ou vos semaines à venir? Japan Expo Sud d'ailleurs. Ouais, il y a Japan Expo Sud du 19 au 21 à Marseille. Février à Marseille, ouais. Donc on y sera si jamais vous voulez y aller. Jamais vous voulez aller pour nous voir. Ce sera pas en dédicace. C'est toi. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est pas fini. Oh, à ton tour. Poursuis mon aventure. Bien joué, Vincent. C'est quand même toi qui a tout fait. Vas-y. C'est quand même toi qui a tout fait. C'est moi. Je dois bien l'avouer. C'est toi qui a tout fait. Bien joué. Vous pouvez applaudir Vincent.
Là, il a tout fait. Oh là là. Bon bah maintenant. C'est le mec sur le bateau pirate. Ouais. On va vérifier tous les trucs parce que il y en a certains qu'on a oubliés. Alors jungle-jage, alien folie, cabane de cranky. Les ah, cabane de cranky, c'est bon, on a tout fait. Ok, là c'est fait. Vol de funky, ça va, on a fait. C'est avec le connerie, c'était obligé que ça tourne mal dans le jeu. Bah, c'est ce qui fait, ce qui rend intéressant aussi le live. Ça on a fait. Vol de funky, c'est le vol. Moulin maboule, on l'a fait. Ah, noix de lune. Non, c'est vrai, non. Ah. Oui, GG. Ah, félicitations Vincent. Merci. Encore une fois. Voyez des vignobles. Et on a quasiment tout fait. Hein. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui pousse. Ah, gang organtuan. Voilà. Il faut faire gang orangutan. Orangutan, non. Orangutan. C'est lequel ça gang Contrôle F. Le monde 3 Contrôle F. Non, on va chercher comme ça. Ah, s'il est passé. Ah non. Non, c'était quoi? Grandement, ouais. Il est là. Oh putain, il y a 5 bonus. Oh, on va se faire chier. Ah oui, c'était celui-là. Putain, les 5 bonus de fou. Cherche l'expression. Quelles sont vos plus grosses attentes en matière de jeux vidéo, Vincent? Quelles sont tes plus grandes attentes en matière de jeux vidéo cette année? Aucune idée, franchement. C'est triste. J'étais à 6. J'étais à 6, mais t'es marrant, toi. Je sais. On me dit souvent. Non, en fait, on me le dit jamais. Oh là là, putain. Oh, ce mec, il est trop drôle. J'avoue. Mais y'a moi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Oh putain, oh, putain. C'est moi, y'a quoi? Y'a la NX qui est censée être annoncée. Zelda Wii U, moi j'attends Zelda Wii U. Wow, ça sera une grosse déception, je pense. Voilà. Pas grand chose d'autre après. Je sais pas pourquoi. Et vous, bah du coup, on vous retourne la question. Quelles sont vos plus grandes attentes en termes de jeux vidéo? Mais je suis où là? Okay. Mais putain, mais j'étais où? Mais t'étais monté sur l'arbre. Mais ouais, mais pourquoi le screen il m'a pas suivi alors? Parce qu'il est pas censé te suivre enfin. Pourquoi ils ont mis des collisions alors là? Bah c'est pas moi, c'est le jeu qui est mal collé alors. Cool. Mais c'est... arrête de te foutre de ma gueule. Oh putain, je fais chier. Bonjour. Putain, je fais chier. Mais wesh. Mais wesh. À tous les coups, on va mourir là. Faut aller chercher Expresso là et revenir en arrière. Le Nescafé. La gueule. Pas de placement de produit, Vincent. Ou faut citer 3 marques. Nescafé. Nescafé, Dolce Gusto et. C'est lui l'Expresso. Ouais. Attends, cherchez Expresso, faites demi-tour une fois au niveau du premier tonneau ah, TK. Oui. Envolez-vous vers la gauche. Donc faut que tu refasses tout le trajet en arrière sans la perdre. Je veux de la sûreté. La NX, bah voilà. C'est vrai que c'est assez intrigant la NX quand même. Oh là là, Vincent. Feu de la sûreté. Alors pour Julien Derouleau, c'est le DLC d'American Truck Simulator pour avoir tous les états. Oh, et va tourner les deux petites rues de New York. Voilà. C'est sûr que c'est moins, on va dire que c'est moins ambitieux, mais après c'est sympa aussi. Chacun son jeu. Là, non, c'était en bas, il faut que tu prennes tout ton élan, que tu sautes et que tu voles. Que tu sautes et que tu voles. Vincent, s'il te plaît. Oh, j'ai fait une roulade en étant. Putain, comment on fait les roulades infinies? Oh, mais là, ça sert une... foutre. Ça, par contre, ça, on peut appeler ça une mort infinie. Ça m'énerve là, ça me. Et le hack The Black Quest créé par Monsieur Rulo qui a toujours pas été commencé. Ah, faut prendre ton temps pour ça. Oh là 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 là, mais t'es doué Vincent, mais t'es doué. Tout ça pour des bananes quoi. Faut prendre son temps pour les hacks, quitte à le faire sur plusieurs années. mais franchement ouais, parce que si c'est pour faire un truc, pour faire un hack, pour avoir dit bah voilà j'ai fait un hack, ça sert pas trop à grand chose. Oh putain, j'ai moi. Ah ouais putain, c'est vrai que t'existes aussi. Putain, merci. Merci de penser à moi. Waouh. Il faut qu'on arrive à tous les tuer, comme ça au moins. Attends, vas-y, laisse. Non, laisse-moi faire l'entrée. Vas-y. Mais j'ai pas envie. Oh non, recommence pas. C'est bon, on les a tous tués.
Putain, mais tuez-le, s'il vous plaît. J'ai plus touché à Lunar Magic depuis l'été, mais je crois que c'est pareil. Hein. Oh, Vincent, s'il te plaît, tais-toi. Vincent! Vincent, tais-toi! C'est bien de ramasser des bananes, comme ça vous aurez la banane. Merci, Metka. Franchement, c'est vrai que. Saude! Ah non, putain, pas la peine. En y réfléchissant, c'est vrai que c'est pas con. Oh, ça, je te laisse faire. Ah, yes. Winky! Tinky Winky! C'est déstabilisant l'autre abruti qui saute après là. Hein? Hein? Je veux toucher, moi, c'est. Ouais! Ah, ah putain, mais putain, t'es con, tu me bloques! Non, mais j'avoue, faut toujours ramasser les bananes. Toujours. Les bananes sont les meilleurs amis de l'homme. On descend du sang. N'empêche, hein, il est censé à ramasser. Enfin, je veux dire, avec toutes les bananes qu'il a collectées dans son périple, il a même plus besoin. Genre, à la moitié du jeu, il aurait pu s'arrêter. Hein, il aurait déjà refait toute sa grotte, hein, le petit DK, mais bon. Mais bon, c'est comment sont les singes, ils sont hyper possessifs. Voilà. Tout ça à cause d'un type qui faisait toujours. Et depuis l'été, s'est mis au jeu carré là et a abandonné entièrement Mario World. Parce qu'il m'aide plus sur une arme magique maintenant. Ah, je crois savoir de qui tu parles. Les jeux carrés, je crois savoir. Ah, c'est pas le mec là. Non, Vincent, c'est pas lui, je connais pas. Kasumari ? Non. Ah. Non, mais Kasumari, ouais, c'est triste, on a plus de nouvelles de lui. Ah. Moi, j'attends qu'il fasse VIP 5, même si je sais qu'il le fera jamais. Oh putain, attends, c'est on beau, ressort l'espoir. Ici. Attends. Au niveau du N, placez-vous sur la partie la plus basse du monticule, envolez-vous à l'aide d'expresso vers la droite, vous arriverez devant un mur avec un tonneau à côté. Alors, au niveau du N, il faut trouver le N déjà. Ok. Ah, il est où le N? Il est en haut le N. Putain, mais il y avait vraiment un... Ah! Attends, je peux lui sauter dessus avec lui? Ok! 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 Je prépare mon couteau! Ah vas-y, façon, voilà, on a fait le bonus. Voilà, donc maintenant, voilà. Voilà, la faute d'Aurel 509. C'est bien lui que je pensais. Ah, allez. Puis il a l'air de se débrouiller parce que dans les vidéos build Super Mario World Level d'MLDEG, il donnait pas mal d'astuces là, surtout pour les HDMA, tout ça. Et ça avait l'air vachement sympa ce qu'il savait faire. Bon, après, il s'est mis à Minecraft, mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait perdu toutes ses connaissances non plus. Enfin, aussi quoi. Oh putain. Ah, il y a une lettre. Il faut que ça soit le N. Il y a le N, le K. Ok, le checkpoint il est là, d'accord. What is the fuck? What is the fuck? En fait, on aurait pu. Ah! 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 Là, on va descendre, voilà. Je suis pas habitué à ce genre de niveau. Le N, il est là. Ah oui, c'est bon. Ah, laisse. Attends. C'est là que tu dois me laisser faire. Attends. Je veux voir si ça marche. Oui, okay, ça marche. Tu peux. Attends, je veux. Il faut c'était juste... ça la technique. La technique qu'on avait. Monté. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? KSM, j'avais envie de refaire un truc avec. Bah, tu m'étonnes. Tout le monde aurait fait un truc avec. En fait, avec ce jeu, il est devenu con. En fait, il a une communauté un peu de kikoulol. Après ça, oui, c'est le risque, hein, malheureusement. Okay, Minecraft. Ah oui. Ouais. Niveau 2, passez-vous sur la partie plus basse. Envolez-vous avec l'aide d'extraso vers la droite. Vous avez devant un mur avec un tonneau à côté. Quand même. Ah putain! Tu dois m'essayer faire. Non. Si. Quand j'étais allé, c'était moi qui avais réussi. Mais quel enculé! Mais c'est des tonneaux de. On va détruire tous les ennemis. On va détruire. On va tous les ennemis jusqu'à leurs mais, armes. Mais putain, mais tombe dans ce trou! Putain, il est trop gros, vas-y, suicide-toi là, tu m'énerves. Non, putain, ça je sais faire. Tu vas me laisser réessayer. Non, mais pourquoi? Parce que c'est moi qui joue. Parce qu'on n'y arrivera pas à deux. Je tourne le dos. Non, tourne pas le dos, ça fait moche après. C'est vrai. Surtout que ton dos il est moche. Après. C'est vrai. Pas faux. Oh putain, et moi qui vole comme une merde aussi. Ouais, mais c'est parce que voilà, c'est. Ça se transmet de volatile à singe. Bon, tu dois me laisser faire. On va tous les éliminer, même les trucs de tonneau là ici. Tu dois me laisser faire. Je veux plus en vous entendre parler. Non, tu te tais déjà toi. Ah, j'y étais arrivé. Mais non, mais reviens, mais reviens. Bravo toi. Il est pas mort. Vol. Vol.
Mais vas-y, meurs, voilà, de toute façon, c'est ce que je voulais. Vas-y, tu vas essayer, tu vas me faire plus chier. Tu vas plus me faire chier. Vas-y, vas-y, on échange, là, on échange, select. Voilà. Y'a personne. Ok, trop bien. Merde. C'est bien de ramasser les bananes, comme ça vous aurez la banane. Mmh, ouais. C'est bien, c'est le faux de la banane. Ouais, là, on en a vraiment besoin de la banane en plus. Je te détruis juste tous les ennemis pour toi. Non, non, ça va. Non, je les détruis juste tous les ennemis pour toi. Même pas besoin. Même pas besoin. Ok, il y avait un truc ici, je sais pas. Il y a plein de trucs bizarres dans ce niveau. On avait pas trouvé une solution, quoi. On pouvait glisser en fait à l'arrivée. Je sais plus. Vas-y. Oui. Allez. Attends. Du coup, Aurel me déçoit, sinon j'avais fait début 2004 Super Gig Mario 5 avec SF qui était pas custom. Voilà, il faut, voilà, faut lancer ce tonneau contre le mur là. C'est sérieux du premier coup. T'aurais pu prendre l'autre ruche en fait. Ah merde. Ouais. Bien joué. Vas-y, tombe sur les trucs. Ah d'accord, faut que je tombe dessus. Oh, bien joué. Il était pas custom, ouais, ça c'est con par contre les hacks pas custom. Alors attends. Mais bon, c'est bien. Ah alors... putain, ça va ce truc. Oh mon dieu, un gros poids. Ça c'est où. Il m'écrase. Je voulais déjà faire grande ligne horizontale avant la sortie. Horizontale, c'est comme ça. Détruisez oui. Le mur à gauche du comme pneu. Horizon. Comme horizon, 3 points. Vas-y. Alors, vas-y. Sous la dernière grande ligne horizontale. Détruisez le mur à gauche du pneu. À gauche. À gauche, c'est là-bas. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un pneu. Déjà, comme indice, on a un pneu et ligne horizontale. Exactement. On peut aller loin avec ça. On peut aller très loin, Vincent. On peut toujours oui, aller très loin. Sur mes Sherlock Holmes. Et là, nous sommes il va vite, ce con. Le simple joueur abruti. Ah. La dernière grande ligne horizontale. C'est ça. Ce n'est pas là. Et c'est non, je vais pas te détruire ça, ça serait ridicule. Mais non, ce n'est pas pour une dernière ligne horizontale. Je veux pas parler des lignes. Des lignes. Lianes. Ah, liane horizontale avant la sortie, dirigez le mur à gauche du pneu. Mais il n'y a pas de pneu. Mais peut-être en arrière. Ok, donc je me suis fait double tuer en fait. Vas-y, reviens un peu en arrière. Mais où tu vois un pneu. Mais en arrière, parce que on a peut-être sauté des trucs en utilisant le passage. Ben non, puisqu'il nous a ramené. Il nous a ramené. Il nous a ramené exactement au même endroit. Bah, attends. Oh, bah, tu essaieras, et puis merde. La prochaine fois que je le vois sur Skype, j'essaierai de lui proposer un petit truc. Le coup, ah, Kasumari. Ouais, Kasumari. Putain, ils sont bah, ils sont sur le Skype, oui, ils ont déjà fait des hacks ensemble. Ah, oui, c'est vrai. Regarde, ici, ils nous avaient ramené ici. Que là on esquivait et je vois pas de quel pneu il parle. Ah t'as qu'à nous parler parler de nous genre ouais regarde ces mecs ils ont réussi mais non the second reality project mais non mais putain vas-y détruis-les okay. Je les détruis et tu vas te faire avoir. Attends non y a pas de pneu vas-y reprends expresso monte en haut il y a un truc enfin non on va être ah. Ok, attends. Sous la grande ligne, avant le sortir, c'est le mur à gauche du pneu. À gauche du pneu. À gauche, ce serait là, non? Déjà, essaie de détruire ça. Enfin, vas-y, détruis ça. Vas-y, attends, tu veux que je peux essayer un truc? C'est soit lui qu'il faut détruire, mais ça étonnerait. Ou c'est soit ce mur. Je dirais ce mur. Mais ce n'était pas ce mur, Vincent. Ah c'est le pneu là. Oh. Oh. Ah. Ah. Mais il y avait des trucs ici. Il y avait des trucs. Vincent, c'est le vide pour toi, ça. Oui. Mais c'est des bonus. C'est invisible, là, une... Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui... Pouh. Putain, c'est n'importe quoi. S'il veut toujours de moi. Bah oui, il voudra de toi, enfin. Mais oui, bien sûr, ne t'en fais pas. Bon, je pense que pour le boss final, on se fera un live spécial la semaine prochaine pour le boss final, Vincent. Oh. Ouais, oh. Parce qu'à mon avis, on va passer max de temps dessus. Donc ouais. On fait quand même un Master of the Grid après. Ouais, on fera ça.
Donc il nous faut un tonneau. Pas les longs. Il y en a un juste devant, ce qui est déjà bien. On s'en fout de toute façon. Elle, bon, elle tu me passes la main. Non mais je m'en fous de te passer la main, Vincent. Putain, elle est là en fait. Oh putain. Oh putain. Oh. 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 Genre, nickel, oh. Oh putain. Ah ok. Alors ça, on s'en fout. J'y vais. À gauche. J'y vais. Non mais j'y vais, c'est ça. T'es trop près. Voilà. Attends, ce alors c'est quoi là? Donc là, il faut détruire aussi celui-là. Attends, sûr. Exposer le mur à droite qui se trouve à gauche. Premier mur à droite. Flèche, okay. Bon bah là, on a plus de. Bah je peux le faire. Attends, mais je crois que j'ai laissé un tonneau de. Mais oui, je sais. Mais je peux. Bon, vas-y. De toute façon, je vais devoir le faire. Trop près, hein, fait chier. Au pire, suicide, Vincent. Ah, bon, garde-le. Fais gaffe à pas me délivrer. T'inquiète, j'y ferai attention. Je ferai très très attention. Vas-y, monsieur le. Fais gaffe. Je sais. Bravo, monsieur le génie. Allez, suicide. Vas-y, tu le fais. Non, tu te suicides. Non, je te suis. Oh putain. What? Oh, on est complètement piégé. Mais c'est quel mur qu'il faut péter? Oh putain. La dernière grande ligne horizontale, bah je dirais que la dernière grande ligne horizontale c'est. Parce que à tous les coups, il y a un des deux murs, c'est eux. Bah attends, tu sais quoi, on va se suicider. Il y a même pas trop. Putain, on va devoir essayer tous les murs. Il y a pas un tonneau après. Vas-y, suicide-toi aussi. Je vais voir s'il y a un tonneau après. Mais non, allez, suicide. Merci. Toi, Juju, cette semaine, quand seras-tu là pour notre projet secret déjà dévoilé au monde? Normalement, cette semaine, je ne bouge pas, donc ça devrait pouvoir se faire. C'est quoi le projet secret déjà dévoilé au monde? Tu verras. Je te tiendrai au courant via Skype, t'inquiète pas. Oh putain, je commence à avoir mal au bide, là. Moi aussi. Ouais, c'est pour ça aussi que je pense qu'on fera pas le boss final ce soir. Comme ça, au moins, on se garde la semaine prochaine. On fait genre un grand final. Comme pour la saison précédente. Et qui en fait n'était pas la finale parce qu'on a été. Si, parce qu'on l'avait appelé Grand Final la finale. Ça. Ah oui, on avait fait un live jusqu'à minuit. Oh mais quel enculé! Alors que c'était un tonneau DK en plus que je portais. Quel enculé, oh là 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 là, oh. Et Vincent aussi. Oh. Live spécial Saint-Valentin, oui, également le 14 février. Si vous voulez m'aider à pécho. Ah putain, je parais, j'ai l'air tellement d'une grosse merde. Nul quand je dis ça, c'est impressionnant. Genre tu sais, tu vas essayer d'appliquer les techniques que t'as vues, tu sais, tu vas voir Gabriel Boom. Eh, hey, ça a marché du coup. Ouais, tu sais, avec la lunette cassée là, les lunettes. Ouais. Salut, je l'aime pas. Une je vais grosse essayer de... marque rouge sur la joue. Qu'est-ce que nous dit le chat, Vincent? Parce qu'il me semble qu'il y a un nouveau. J'ai envie de changer d'intro, mais je sais pas en faire, fait chier. De Gabriel Boom, 13. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Ça c'est vrai que c'est un peu bête. Ça. Alors, attends, on va essayer d'abord ce mur. Ce mur, il est pas à droite. Il va. Oh! Wow! J'en ai marre. Ah, tu peux faire. Suicidons-nous, s'il vous plaît. Suicidons-nous, tiens. Allez, saute dans le vide. Et saute dans le vide! Ah, mais Aïe. Je sais, le 14. Si je n'ai pas d'imprévu, ah bah c'est cool. Moi, je suis le mec qui essaie de donner des conseils en amont, mais qui suis célibataire depuis 2009. Bah, tu vois, on est deux. Oh là là, putain. Putain. Oh, ce niveau. Colle-toi à tous les murs pour voir si ça se casse. Mais putain! Putain de conneries de merde! De toute façon, il y a un tonneau DK dans pas longtemps. T'as joué avec la tentation là. Jouer avec. Ah bah non, le tonneau DK il est après. Joue avec. Ouais, on va se coller à tous les murs pour voir si ça se casse pas con. Non, Vincent, c'est là-haut. Ah d'accord. Je sais pas, je suis jamais allé. C'est jamais moi qui ai joué à cette partie niveau. Allez, sauve-moi. Tu peux pas le garder de toute façon le pneu parce qu'à un moment t'es obligé de rebondir sur des ennemis. Oh la vache! Oh la vache! C'était haut hein! Fais gaffe! Parcours, Oh vas-y, Vincent, je te laisse!
Oh putain, Vincent. Je voulais le tuer. Au moins, t'es con, hein. T'es con, hein. Franchement, t'es con, hein. Mister. J'ai essayé celui-là. Oui. C'est celui-là. Non, c'est. Oh, c'est lui. Mais... On a trouvé un sur les deux. Cette ski-là, se te dit des rouleaux, Vincent. J'avoue que c'était stylé. Ah, mais c'était sur la droite. Mais non, il y en a. Sous la dernière grande ligne droite. Avant la horizontale, avant la sortie, détruisez le premier mur de droite. Ah, mais je croyais que c'était celui. Et de sous gauche. La dernière grande ligne horizontale, avant la sortie, détruisez le mur à gauche du pneu. Donc, si c'est pas lui, c'est lui. Donc, on va essayer celui-là. On va essayer celui-là. Attends, on va essayer de faire comme ça. C'est bon. Oh ouais. Putain, c'était lui. Oh, comme c'est vicieux cette merde. Attends, je peux. Ah non, c'est bon. Déjà, le truc, tu sais même pas que c'est du vide. Enfin, tu sais même pas qu'il y a un truc qui existe. Pour toi, c'est du vide parce que la caméra te montre pas où il y a même pas une balade qui dit que tu peux descendre. C'est uniquement si tu fais une erreur, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas de la mort. En fait, exploser le mur de droite qui se trouve à gauche du panneau fléché. Ok, bon, ça. On l'a pas fait. Non, ça, il faut qu'on garde. Oh putain. Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. on va poser ce tonneau. On va d'abord le détruire lui. On a le rythme, voilà. Ça va. Oh, il arrive pas. Putain, s'il fait ça. C'est quoi? Détruisez, exploser le mur de droite qui se trouve à gauche du panneau fléché. À gauche, donc c'est. Putain, toi, tu sais que je t'aime pas. Je t'aime vraiment pas. Tu sais que toi, en fait, je. Ok. C'est lui. Ouais! Ouais! Ouais. Avait... Ah, si, c'est bon, je me rappelle pourquoi on avait tué là. Ouais! Un plus bonus. Ouais! Ouais! Allez, on va faire la sauvegarde pour voir combien on est monté. On était à 97. Gang orangutan. Allez, combien on est? À mon avis, il nous manque 98. Encore, 80... Oh putain, il nous en manque 2%, Vincent. Pour les 101%. Donc il nous manque 2 bonus. Le bonus, c'est pas dans le niveau celui-là? Non. Allez, on va prendre le truc de Funky. Bon, là, je vais l'accélérer. Accélérer. Ah, c'est bon, putain, c'était dans le monde suivant. La glacée des gorilles. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, non, c'est fait. C'était pas dans ce monde. Un truc, ça, c'est fait. C'était pas dans ce monde. Attends. Et ça, c'est fait. C'était pas dans ce monde. Ok, d'accord, mais je préfère regarder. C'était un monde juste balade, suivant, là. C'était lui? Oui. Il y avait le truc avec la cuve. Il est fait. Il y avait la cuve. Il est fait. Tu es sûr? Oui, la cuve. On a tout fait. Ah oui, mais c'est alors après encore la cuve. Tu te rappelles de la cuve? La cuvette. Ah putain, je vois de quoi tu parles, Vincent. C'est le niveau qu'il y a là. Voilà. Ah là 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 là, putain, oui, que j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait. Bah oui, mais parce qu'on sait pas où c'est la cuvette. Quoi? La cuvette. Attends, on va déjà redescendre. Kremlock et compagnie, non, donc c'est le dernier monde. Lumière lunatique, non, surtout pas. Mine brumeuse, 2 bonus. Après, le tonneau continue. Ah merde, c'était pas celui-là. On avait réussi à trouver. À 2 qu'accéléré. Oh putain. À D, ouais, D qu'accéléré. Okay. Voilà, dans la cuvette. Ouais, ouais, je vois. Bon, déjà, on va revenir au checkpoint. Parce qu'ils disent qu'il faut être au checkpoint. Oh là là. Des fois, quand tu le délivres un ami, quand tu délivres un ami et que tu es en plein rebond, là, ça te fait des putains de rebonds de fou furieux. Ouais. De casser. Alors, ça, voilà. Ça... Oh l'enculé, putain, j'en ai marre. C'est pas moi, je deviens grossier, un truc pas gentil là. Surtout, ne faites pas comme moi. Un exemple, ne pas suivre. Exactement, je suis un très mauvais exemple. Pas ça. Je connais pas exemple sur moi. J'ai de mauvaises notes en espagnol. Exactement. J'ai pas dit. Ouais. Bon. Après le tonneau continue. Lorsque vous êtes sur la corde, descendez au maximum, vous apercevez une plateforme dotée de l'entrée. Ça, on l'avait vu. Ouais, on descend au maximum. Ça, tu vois encore ça. Ça peut être trouvé facilement. Mais t'as des trucs. Des putain, c'est. Oh putain, ok, la lettre K, elle est. Ah, ok. La lettre K, elle est après checkpoint. Ah bah ok, directement c'est... Ok, bah c'est génial. Oh, expresso l'autruche. La
après l'icône expresso. T'inquiète, Juju, je suis déjà comme ça. Après le premier passage, vous trouverez un tonneau TNT. A explosé la mur à droite de l'icône d'expresso dans la cuvette. L'icône d'expresso, c'est ça? Oh mais non, mais je suis con. C'est bien vrai. Vous pouvez pas faire les devinettes dans l'eau de ruche de ma gueule. Tu vas voir des bananes. Oh, des bananes, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, des bananes. Très important. Même pas des bananes, c'est des icônes expresso. Ouais, tant mieux alors. Tu nous rapporteras des bananes. Expresso, oiseau de transport express. J'avoue, mais bon, des fois il est un peu relou l'expresso quand même. Hein. En fait, quel est le meilleur animal de Donkey Kong Country? Le poisson. Ouais, en garde de l'expédon, à mon avis, c'est le meilleur animal. Il est super beau. Faut pas faire mieux, pas faire plus pratique qu'en garde de l'expédon. Surtout quand il peut tuer les putains de méduses et de requins que tu peux pas tuer en temps normal. Mais là, tu as le poisson. Oh putain, j'ai oublié d'aller prendre le x2. Bon, bah tant pis. Mais allez hop, le vol. Ah putain mes doigts. Ouais c'est le TGV, ouais l'espadon c'est meilleur. Oh putain Vincent c'est quoi ça? Quoi? Oh là cette virilité je vous jure. C'est parce que je me suis fait mal en claquant les doigts. What? Je suis réapparu où? Regarde l'espadon. Ah mais je suis réapparu au tonneau DK. Enfin au tonneau continu. Saute. Oh putain. Ouais c'est le skill chez moi. Ouais, ça s'appelle le skill chez moi. J'aime bien le mec, ça s'appelle le skill chez voilà, moi. Voilà, là, elle, il était là le truc des. Il était là le truc expresso. Si je reste là, ça s'arrête. Vous trouvez un tonneau tête. Enfin, après le premier passage, vous trouvez un tonneau tête explosé le mur à droite, à gauche, à droite de l'icône d'expresso dans la cuvette. C'est ce mur. Mais ce mur, je peux pas l'exploser. Parce que il y a le baril. Et si je me mets à côté, ben, j'explose le baril. Et pas le mur. Bah, peut-être le mur encore à droite. Non, bah, si. Dans la cuvette, je suis sûr que c'est ça, tu vois, les ennemis. Non, je pense que c'est après. Non, la cuvette, c'est ça, Vincent. Ok. Essaye de faire passer en dessous. Oh. Oh. Putain, ça marche pas. Putain, je viens d'apprendre cette fonction. Je crois qu'elle n'est pas apparue avec Donkey Kong Country Returns. Ouais. Bah, celle-là, la cuvette. Non, puisque c'est le mur à droite. Non, c'est pas celle-là, on l'avait testé celle-là, sans la cuvette. Ouais, mais. On avait tout testé, Julien. Pas d'autre. Il ne restait plus rien à prouver. Pourquoi? Pour moi, je pense que c'est un trou un peu plus loin. Ça serait lui. On va réessayer lui alors. Je pense qu'on perd notre temps. Ils nous font perdre la tête. Tourne la... Oh putain du con! Ta rage, oh. Nos rages, de mon dérapage. Ah putain, non mais non, y a plus de tonneau DK. Enfin, de... Vas-y, c'est tant mieux, c'est ce que je voulais te dire de façon. De toute façon, les deux cuvettes possibles, c'est ces deux-là. Voilà, tu restes. Je crois que ça commence à partir de 10 les vies. Ouais, sûrement. Voilà. Voilà, tu respectes ça. Essaye de pas te faire avoir. Saute. Oh, j'en ai marre. Tu sais pas j'en ai marre. Tu sais pas sauter ou quoi? Et je sais pas sauter, Vincent, c'est triste. C'est horrible. C'est honteux. À ton âge. Yes, ça sera moi qui joue. Normalement, ouais, putain. Vous êtes déjà très mal barré. On a perdu zéro image durant ce live. C'est fou, hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on perd plus l'image. Ça, c'est cool. Et on est à 1h13 de live. Suicide pas, ouais. Ah ouais, mais là c'est plus rien à foutre. Hein. Toi c'est peut-être plus compliqué. Oh là là là. T'aurais dû descendre dans le trou.
Et suicide. Non mais suicide pas comme ça. Vas-y, jette-nous dans un trou. Tu te suicides, voilà, en te jetant dans un trou, c'est plus rapide, voilà. Allez, c'est encore moi qui commence. Je m'en fous. Oh là là. Putain, bah, c'est grave. Putain. Vas-y, fais gaffe. Mets-toi bien dans le trou. Moi, ça y est. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai trouvé. Il a fait ce con. Oh là, oh, il a essayé, il le rate, bien sûr. C'est Vincent. Oh putain, fais gaffe, Vincent. Ça va, je gère, je gère. Je pense, gère, la fougère. Oh, hey, hey. Fais gaffe, hein. Ne meurs pas maintenant, Vincent. Je sens ma skillas. Oh putain, Vincent, Vincent, ta skillas de merde, ta gueule, juste. C'était la skillas des roulas qui me porte espoir. Oh. Là, c'est des serpents. Attends, pourquoi c'est toi qui termine? C'est moi qui ai tout fait. Oh, oui, c'était celui-là. Ah putain, normalement voilà, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer qu'on a fait 100%. Qu'on a fait le 100%. Maintenant il reste plus que le 101%. Ouais. Vous êtes passé chez le coiffeur, oui, tout à fait. Bien vu. 100%. Attends, normalement c'est pas 101% qu'on doit avoir. Oui. Mais c'est avec le boss, non? On va demander aux experts. Ah oui. Sur le chat. Déjà, je vais sauvegarder. F2. C'est F2. La possibilité de se faire des villas, les serpentouilles. Ah, et bien vu, ouais. En effet, je pense qu'il doit y avoir moyen. On va faire l'essai. On va demander au chat. Est-ce que vous savez si le boss final compte comme 1% supplémentaire? Ou est-ce qu'en fait il faut qu'on ait fait 101% sans compter le boss final? Le boss final compte. Je sais pas. Hein. Ah oui. Le boss final compte. Je pense qu'il faut faire le boss final pour 101%. Bon ben c'est plutôt cool. De toute façon on a tout fait, on peut pas faire autre chose de plus. Allez, vous savez quoi? On tente une fois le boss final. Ah. Peut-être que ça va être la fois où on va réussir directement. Si on y arrive, c'est qu'on est doué, Vincent. On tente une fois le boss final. Et après on arrête. Et je pense pas qu'on aura un karaoké ou autre chose parce que je me sens pas très bien là. Je pense que ça se voit un peu. Ah, c'est lui Vincent. Ouais, bah, t'as sûrement déjà vu des speedruns, oui, ou des tasses. Tu sais comment faut le battre. Oui, j'ai vu ça dans Speed Game ou 88 miles à l'heure. Non, le fond de l'affaire. Oh putain, ok, bon là déjà on va se faire. On essaye trois fois. Allez, on se donne trois chances. Putain, okay. Mais je voyais pas, sérieusement, non. On se donne trois. Je voyais pas, sérieusement, sérieusement. Avec une musique épique. À l'origine, le Grim Sins ont été fait pour un autre jeu horaire. Mais vu qu'il correspondait bien à l'univers de Donkey Kong Country, ils les ont rajoutés. Voici les anecdotes de Vincent. Merci. Qu'il n'y avait plus eu, d'ailleurs. Oh putain, quel con! Fais gaffe, fais gaffe. Là, il va te leur envoyer la tour, cours. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai eu. Fais gaffe. J'ai tué. Non. C'est les boulets qui tombent. Oh t'es doué, putain, arrête de sauter, les boulets ils tombent. Mais oui, mais je pour sauter ça va plus vite. Mais non. Mais si. J'avais fait avec Ken, j'étais mort de rire, je me faisais choper, ça couronne toujours dans la gueule. Mais j'avoue que ça couronne, nous on la voit pas beaucoup. Hein. Plus avec ce magnifique truc devant nous qui est très joli, n'empêche, c'est très bien fait. Mais bon, sa couronne, ouais, tu la vois à peine. C'est l'arnaque quand même, parce que sur son bateau, il y a moins de bananes que dans toutes les grottes et tout, oui. Et tous les endroits de boss qu'on a fait précédemment. Ça servait à rien de venir jusqu'ici. Même si dans les tonneaux, il y en a. Ce que je veux dire, là, contrairement à... Oh putain.
Contrairement à Donkey Kong Country 2 ou 3, là tu dois sauver personne. C'est juste, là tu récupères juste des bananes. Tu okay. dois sauver des bananes, c'est important. Voilà le skill. Putain, j'en ai marre de cette caméra, je vais commencer à en avoir ras-le-bol. Hein. Arrête de me montrer ce qu'il y a devant moi, je veux voir ce qu'il y a derrière moi pour une fois. Bon, voilà, reste comme ça. Ils vont revenir. Mais oui, ils vont revenir. Voilà, ils reviennent. Putain, il est toujours pas mort. Hein. Il est costaud. C'est un Kremlings. C'est le roi des Kremlings. C'est pas rien. C'est le plus grand, le plus imposant. Donc là, normalement, les blés vont faire 3 fois l'aller-retour. Enfin, oh putain, un aller, un retour, un aller. Ouais, voilà. On va pas 3 aller. Exactement. Je préfère. C'est bon. Ouais, on l'a eu. Ouh, ouais, la semaine prochaine, on attaque Super Meat Boy. Ouh. Et voilà, c'était... Compliment pour... Ça va, je pensais qu'on allait plus galérer quand même. Ah, hein, c'est marrant. Je pensais qu'on allait plus galérer. Voilà, compliment c'est pour... C'est marrant, il y a tout le temps des cas. Casting Crusha, Couleur Critter... Voilà, Commandant Kikaru, la petite blague. Hein. Bon, mais c'était cool. Quoi, la fin? Et voilà, vous avez vu, voilà, c'est histoire de dire que... Voilà, je vois quoi, la fin, petite blague avec un cas, parce que Donkey Kong Country... Oh mon dieu, c'est pas fini, d'accord. Oh mon voilà. dieu, c'est... Oh putain, oh c'est putain, pas fini. Vas-y, saute. Là, on va... Ouais, là, c'est foutu. Allez, on réessaye une dernière fois et après on arrête. Ouais, le bad ending, ouais, ça... C'était connu, enfin, on s'en doutait. On... La soirée, vous avez vu nos super talents d'acteur, hein, je suppose. Moi je savais pas que c'était pas une vraie fin. T'es le seul à ne pas être au courant de cette mascarie. Attends, il faut le toucher 6 fois quoi. Oh putain, mais si tu joues comme une merde aussi. Il faut le toucher 6 fois avant qu'il y ait la mauvaise fin. Ah, oh, je okay. pensais qu'on... Non, j'ai envie de retâter une autre fois. Tu vois, c'était vraiment un coup de merde. Mais je pensais qu'au moins je sais qu'on pourrait pas passer en dessous. En fait, tu peux passer en dessous quand il saute lors de la après le bad ending. Tu sais quand il fait ses petits sauts oui. là. Et puis c'est rapide hein, le con. Il accélère et tout. 3 fois après la bad ending. Ok. Donc si c'est 3, ça fait 9. Vous avez vu mes talents en calcul mentaux. Calcul mental, je veux pas savoir. Mettre ici. Hop là. Il y a ce pilier comme un disque je crois avoir. Ouais, c'est comme ça que je faisais moi. Okay. Mais c'est le mode technique, ouais. Mais je pense que de toute façon c'est la meilleure à utiliser. Voilà, petite roulade, petite roulade. C'est super bien connu. Flipper, sympa. Bim. Allez, encore un coup. Non, moi je croyais vraiment que c'était la fin quoi. T'es marrant toi. Bah ouais. Bah t'as déjà vu des speedruns, des tasses et tout, Vincent, aussi. Bah non. Bah si. Non. Bah, si tu le dis. On va dire que je vais te croire. Tu vas me croire sur parole. Putain, c'est très étrange de ta part. Et bim, voilà, ok, c'est allez. Bon. Jusqu'à là c'est fait. Ok, ah. Oh putain. Oh non, vas-y saute lui la gueule, j'avais essayé pourtant. Fais gaffe. Ah bon, laisse tomber, allez. En tout cas, à chaque fois, ces sauts, il y en a quand même un au niveau du main. Hein, au milieu, ça se voit à savoir. Par contre, le dernier saut, il est au pixel. Putain, c'est con. Par contre, vous avez vu, il n'avait pas repassé le petit ending là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, 22h22. 22h22, c'est magnifique. On va pas faire de save parce qu'on avait fait une save, on a fait deux en plus. Je vais arrêter, je vais aller me coucher parce que je n'en peux plus là ça. Waouh, ça me tue le ventre. Un truc de pas sympa quoi. Donc désolé, on avait dit qu'on fera un truc où vous pouvez participer, mais on le fera pour la semaine prochaine pour la grande finale du coup. On aura fait du coup 7 live hein, sur Donkey Kong Country pour 1 2 3 4 5 6 pour 6 mondes on va dire. Ouais, enfin 7 mondes si on compte que le boss final c'est un monde en lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'on aura fait un live un monde, hein. Puisque là c'est 6ème live, on a fini le 6ème monde.
2202 x 4, oh putain, j'y arrive pas. 8888, ouais, c'est ça. Bien joué. J'aime bien Karoul, comment il attend toujours tout impatient. Ouais, avec sa tête. Qui est moi? Non, Karoul. Ah. Putain, c'est marrant, toi. En tout cas, bah, merci à vous d'être resté. On remercie toutes les personnes qui sont venues sur le chat. Il y a eu pas mal de personnes, on a retrouvé pas mal de personnes, hein, c'était sympa. Ouais. Sur ce, bah, au cas où, voilà, on se retrouve vendredi prochain, 20h30, 21h30 cette fois-ci, hein, pas 21h. Hein, 20h30, 21h30 pour la fin de Donkey Kong Country. Et ouais, c'est triste. Après, on fera du Super Meat Boy, les amis. Et là, je vous promets, ça va rager. Ça risque d'être sympa. Oui. N'hésitez pas au cas où à partager à fond le live de grande finale de la semaine prochaine pour qu'on soit le plus nombreux possible. Mmh. Parce que c'est toujours bien pour voir cette incroyable réussite. Parce que c'est bien quand il y a toujours plein de monde pour les grandes finales. Comme ouais. Les grandes finales de saison. On attaquera la saison 3, ça. Non, un peu fatigué. Mais ce matin, j'ai. Fait... Quoi ? On attaquera la saison 3 direct des lives en cette semaine quand même. C'est vrai. Il n'y a pas le live le 14. Si, si, il y a le live le 14, mais d'abord il y a le live la semaine prochaine. 7 et 5, ça fait 7 et 3, ça fait le 12. Il y a le live le 12, le vendredi 12 février. Et il y a un live le dimanche 14 février de 20h. De 20h30, 21h30. Et le live du vendredi aussi 20h30, 21h30. Fatigué, ouais, fatigué. Ben, ce matin, je suis pas allé au lycée, hein, on a peut-être remarqué. Je suis allé cet après, mais voilà. Du coup, assez fatigué. Dommage qu'il n'y avait pas mon Kenzo. Bonsoir à toi si tu regardes la rediff. Ouais, bonsoir Ken. Hein. Et bonsoir à tous les autres qui regarderaient éventuellement la rediff. Peut-être The Drake. Ken Shiro, ouais. The Drake qui a eu ses problèmes de connexion. En tout cas, on va pas vous retenir plus longtemps. Merci à vous d'être resté, en tout cas. Merci aussi à vous d'être venu. Merci à vous, les viewers également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein, pour la grande finale, n'hésitez pas à partager un max. À ramener tous vos potes, tout ça. Ah. Parce que voilà, ça risque d'être sympathique. Et après, promis, on se fera des petits trucs. Sympa. Master of the Grid. Voilà, on se fera des Master of the Grid, karaoké, tout ça. Parce que ça m'étonnerait qu'on passe une heure sur ça. Il n'y aura pas de sondage pour choisir quel jeu vous avez joué. Non, pas cette fois-ci. Peut-être pour la saison 4. Pas cette fois-ci, pas de sondage parce que. C'est un jeu qui lui tient à cœur. J'ai vraiment envie de faire Super Meat Boy en live. Et donc là, ouais, je sais, ça avec le Dark World. Ouais, avec le Dark World. Ça peut paraître peu égoïste. Enfin, on verra. Ça peut paraître un peu égoïste, mais Super Meat Boy, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire. Le faire en live, je me dis un vrai jeu de plateforme, bien dur. Le faire en live, je me dis que c'est en plus pour être méga marrant parce que à tous les coups, on va rager à mort. Et oui, tout. C'est un jeu qui est très très précis. Donc voilà. Donc passez une bonne semaine, un bon week-end, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances, rendez-vous aussi. Vendredi prochain. Voilà, à la prochaine, à cette semaine pour notre projet secret, tout à fait. Voilà, on va se laisser avec la petite musique de fin. Alors, je l'ai du coup, ça a plus besoin de l'ouvrir. Voilà, bye bye, on dit bye bye les gens. Je connais pas Meat Boy, mais ça sera avec plaisir de le regarder avec vous. Ah, mais ça fait plaisir. Tu verras, je pense que ça c'est un jeu qui va peut-être te plaire, mais qui risque de vous plaire également à vous. Hop, on va enlever le chat, on va enlever le titre de début, on va enlever musique intro, avec titre fin, musique fin, et on va mettre où il est. Ah, c'est pas là, il est là. Allez, comme tu veux, moi ça me dérange pas. Bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. À Gabriel Boom, lui aussi qui fait la gueule. Désolé, hein. Gabriel Boom qui s'endort. Ouais, je suis désolé, mais j'ai pas très la forme. Allez, mais t'inquiète, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça sera beaucoup mieux. Allez, ciao tout le monde. Ciao. On se laisse avec la musique.
Allez, bye tout le monde. À bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, un bon week-end et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Ciao, ciao. À la semaine prochaine pour la grande finale.